Cette communauté des Dunots. Rien que le nom nous prouve que vous étiez bien du coin, puisque le nom, il était là-haut sur la montagne. C'était une tourbière. Oui. Mais ce n'est qu'avec ce mariage de 1684, oui, il y a un peu plus de 300 ans, que les Dunots sont venus à la goutte. Sont officiellement venus à la goutte par un mariage, oui, d'un Dunot. Ils existaient avant, d'ailleurs. Ils existaient avant, hein. Mais officiellement, c'est 1684. Voilà. 1684. Oui, pardon. Ça fait un peu plus de 300 ans. 300 ans et 2 années. Voilà. Et il y avait des bois, il y avait un peu de tout, on faisait de la polyculture, surtout de la culture vivrière, mais je crois que la principale culture, ça a été la vigne ici. Oui, j'avais... Les coteaux étaient bien exposés. Beaucoup, ils faisaient beaucoup de vin. Beaucoup de vin. Il y avait d'ailleurs une branche qui s'appelait le maître vigneron. Eh oui. Maître vigneron. C'était un des assistants du maître. Dans le Grand Partage, on trouve, je ne sais pas combien de tonneaux, peut-être une centaine de tonneaux. Mais enfin, le phylloxéra a tout tué. Ah, évidemment. Le phylloxéra a fait disparaître. Autrement. Enfin, c'est là la principale richesse, je crois, de la communauté. C'est là d'où elle a tiré ses meilleurs revenus vers la fin. Oui. Puis il faut dire autre chose, nous sommes ici sur les limites de la culture de la vigne. Oui. On monte tout de suite à... La montagne à côté est à 1100, alors... C'est pas possible. C'est pas possible. Si elle est très coutée, si elle est très coutée, c'est un à côté de maintenant ta ferme, derrière moi, je vous traduis, vous avez la nouvelle génération des Dunots. S'ils étaient tous là, il y en aurait peut-être 300 ou 400. En effet, cette communauté des Dunots au village de la Goutte, c'est une famille qui a particulièrement prospéré dans la montagne ternoise et le nom de Dunots est encore porté par plusieurs représentants aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, on s'intéresse aux vieilles associations familiales et jusqu'à maintenant, la communauté des Dunots avait été un peu négligée au profit d'autres associations mieux placées, moins isolées. Les communautés, tu comprends bien, Pierre, que ça ne s'est pas fait en un jour. Pour que des familles aient un motif de rester ensemble comme ça, parce que ça ne devait pas être trop, très couramment hein, dans la vie de tous les jours, ça ne devait pas être très facile. Eh bien, pour en arriver là, il a fallu des causes profondes et graves. À la suite des guerres, lorsqu'il y avait de grandes invasions, et les gens, pour se défendre, préféraient rester groupés. Et puis après de grandes épidémies qui ravageaient le pays, ou des guerres, par exemple, on a vu de grands départs de la Thiérache vers le reste de la France. Et puis surtout, c'est lorsque vers le XIe siècle, le serrage est devenu beaucoup plus rigoureux. Alors tous les gens ont voulu se défendre, se regrouper, puis essayer d'avoir des conditions meilleures que celles que leur imposaient tous les petits seigneurs locaux ou les grands. Alors c'est comme cela que s'était créé ce droit de main morte qui leur empêchait d'hériter les uns des autres s'ils n'avaient pas de descendance. Et ce droit de main morte a été une des causes principales de la formation des communautés. Et aussi, c'était contre les seigneurs. C'était un peu dirigé contre les seigneurs, puisque les communautés ont été facilitées, ces communautés familiales, c'est l'Église. Et la preuve, c'est qu'autour de toutes les grandes abbayes, eh bien, on trouve une prolifération de communautés étonnantes. Il n'y a pratiquement que des noms de familles pluralisés. Alors, l'Église a obtenu ceci, parce que les seigneurs ont exigé qu'ils habitent ensemble. Alors, s'ils vivaient ensemble, au même pot et au même feu, avec un seul point pour faire le feu et la cuisine, à ce moment-là, on tolérerait qu'ils héritent les uns des autres, même s'ils n'avaient pas de descendance. Et de ce jour-là, l'Église a mis en avant que c'était une mesure de charité, mais de ce jour-là, les seigneurs n'ont plus hérité des serfs sans descendance s'ils vivaient ensemble. Et c'est ce qui a fait la force des communautés, mais c'était bien contraignant de n'avoir que ce point, un point de cuisine. Parce que dans le fond, personne n'avait rien.
dans ces communautés. C'était une société civile, et bien c'était à tout le monde, et personne ne possédait rien. Pénétrons dans l'ancienne salle commune de la communauté des Paillots, sur laquelle a été amputée, malheureusement, une superficie pour faire un couloir. C'était une salle qui était presque digne d'un château, et en particulier, elle possède une cheminée aux dimensions impressionnantes, puisqu'elle a 2,80 m de large et 1,70 m de profondeur. Cette profondeur faisait dire aux descendants, ici on peut, paraît-il, il l'aurait fait, on peut faire rôtir un bœuf dans la cheminée. Alors, au château voisin de Montpérou, on ne peut faire rôtir qu'un veau. Et à travers cette comparaison, un petit peu empreinte de gloriole, eh bien on retrouve cette rivalité qui ne portait pas uniquement que sur les rôtis, fait dans les cheminées et qui caractérise les rapports des communautés avec les châteaux voisins et surtout leurs occupants. Ça allait beaucoup plus loin que la question de la cuisine. Et on sent que l'on avait affaire à une communauté importante et riche en même temps quand on voit la qualité de la souillarde dont il ne reste plus aujourd'hui que la pierre déviée. Une pierre monumentale qui peut peser 2 tonnes. Vous avez la chance de posséder encore le vieux pot de la communauté des Paillots. Si, ça l'est. Si, ça l'est, mais enfin, il en a la réputation. Il en a la réputation, nous. Il en a la réputation. Et enfin, il est d'une taille qui, en effet, correspond à peu près à la cheminée. On le voit assez bien pendu à la crémaillère pour être amené du feu sur la table. Oui. Ah oui, mais au Paillot, c'est le cas. Il y a une belle cheminée, oui. Étant donné qu'elle a 1,70 m de profondeur. Ben oui. Et alors, elle peut supporter ça. Ah, moi, je n'en reviens pas qu'ils ont emporté la crémaillère. Eh bien, elle est partie. Et c'était bien pratique, la crémaillère, parce que comme ça, on ne se brûlait pas. Le pot restait pendu à la crémaillère, on l'a amené au-dessus de la table, maîtresse ou une femme. J'ai vu ça. C'était une belle cheminée. Ah, c'était une belle cheminée. Et alors, quand ils étaient tous alignés là-dedans, avec un seul feu imposé par la loi, à votre avis, qu'est-ce qu'ils mangeaient principalement? Oh, de leurs produits. Oh, ben, de leurs produits, oui. De leur produit. Mais comme genre, ça, ils n'étaient pas dans la misère, hein, les Paillots. Non. Alors, ils devaient quand même assez bien se nourrir, ils devaient tuer pas mal de porcs. Ah, ben, c'était surtout les porcs. C'était le porc qui vivait. Ça améliorait l'ordinaire. Eh bien, bien sûr, parce qu'avec le porc, ils accommodaient tout. Et seulement au 19e. Vous voyez, qui faisait cuire du lard. Comme vous dites, dans le grand pot. Alors, ils mettaient du chou, du lard, qui coupaient en tranches, qu'ils mettaient dedans, des pommes de terre, des haricots. Oui. Hein. Vous voyez, c'était tout, un mélange de tout, tous les légumes. Oui, oui. Et ils mettaient du lard. Par conséquent, puisqu'ils y mettaient du lard, c'était bien qu'ils tuaient des porcs. Eh oui. C'était c'était la viande principale, ça, certainement. Puis peut-être la volaille. Et de la volaille. Oh, de la volaille. Il en fallait de la volaille. On la vendait, la volaille, oui. Mais puis il en fallait de la volaille. Oui, ça, la volaille, c'était plutôt fait. Ah, puis ils avaient tout, ils avaient de la vigne, hein. ils faisaient par eux-mêmes. Ils produisaient leur vin. Ah oui, ils produisaient leur vin. Ah oui, ils avaient une chènevière aussi. Oui, ils produisaient leur chambre. Pour faire leur drap. Ah ben, ils faisaient la chambre du métier, elle est encore là. Ah, vous l'avez encore. Encore là. Oui. Ben oui, parce qu'il y en avait un qui était tissant sur la quantité. Mais moi, j'ai encore vu faire le père Thomas. Il y avait un père Thomas quand même des années. Mais moi, j'ai vu faire la toile là-dedans. Vous voyez, je me rappelle. Et ce sont des draps qui durent. Ben, en tout cas, vous en avez probablement encore. Et puis, il fallait. C'est-à-dire que l'été, c'était intéressant, mais pas l'hiver. Hein, oui. Parce que l'hiver, ils étaient frais. Mais l'été, on était bien dedans. La grosse toile. La grosse toile, oui. Et ses mains. Oui. On est dans la pièce du four du pain. Ici, il y avait la mets,
Alors ils se mettaient, les dunos, là, ils se mettaient à deux pour pétrir la pâte, parce qu'il fallait beaucoup de pain. Et tous les 15 jours, en principe, ils cuisaient, ils chauffaient le four et ils pétrissaient la pâte. Ah non, en hiver, il se conservait bien en été. Il arrivait des fois que... Il était très dur les derniers jours. C'était du pain de ménage. Mais il se conservait assez bien quand même. Et il y avait une personne attitrée qui pétrissait et qui chauffait le four. Le four contient 18 grosses tourtes. On peut mettre en plus quelques pompes. La pompe, c'est une tarte qui se compose de trois parties. Il y a la pâte en dessous, les pommes au milieu et une autre pâte par-dessus. Une pompe, on l'appelle une pompe couverte. C'était tout à fait officiel. Il y a même des contrats devant notaire qui parlent des élections de maître. Mais en réalité, on pouvait se douter d'une génération à l'autre qui serait le prochain maître, étant donné que le maître en place formait son successeur. Oui. Ils étaient bel et bien préparés. Et la maîtresse avait des fonctions qui portaient sur la maison. Tandis que le maître, lui, était quand même le grand chef, et le maître dirigeait tous les travaux des hommes, tous les travaux agricoles. Et lorsqu'il avait besoin de femmes, d'ailleurs, pour ses travaux, il les demandait à la maîtresse. Le maître dirigeait tout. Et le maître avait, pour les travaux, les grands travaux, avait en dessous de lui des chefs de service qui avaient des responsabilités et lui ne faisait que superviser ce que faisait et la façon de s'organiser du grand bouvier, du grand vigneron ou du grand laboureur, tous hommes dotés d'un second métier. D'ailleurs, ce qui permettait de tout faire à la maison. Car on faisait tout, on en achetait à l'extérieur, et beaucoup de descendants de communautés s'en souviennent encore, que le sel et le fer. Oh. Oh. Bene, botte! Ah, ciao! Ah, beh! Ciao, Dio! Dove sta bene? Botte! Botte! Asla! Dove sta bene? Ehi! Ah, tout on fauchait avec les bêtes, on fanait pas, on fanait à bras. Mais on ratelait avec des bêtes. Oh, pas tout. Et quand il fallait faucher les endroits en pente, on pouvait pas passer ou on pouvait pas passer avec des bêtes. Il fallait faucher à la faux et à bras. Et à 5 heures du matin, on y était à la faux. Eh bien, ce prix, on l'a eu parce qu'il était à vendre. Ah oui? Et qui c'est qui l'aurait acheté là? Le produit venu seulement, quand ça te joint, l'essentiel, c'est toi qui l'achètes. Hein. Et c'était ton père qui l'avait acheté? Ah non, c'était le maître de maison, oui, Trépierre. Pas Jimé. D'ailleurs, mon père à l'époque était jeune. Et tu te rappelles pas le prix qu'il avait payé à peu près? Ah diable pas, certainement pas cher. Remarque, il se payait cher. Avant la guerre de 14, ça. Je dirais après 70. J'ai vécu, moi, dans la communauté. J'ai vécu dans la communauté, moi, enfin, je suis né en 1908. Et la communauté a été dissoute en combien? En 30.
Ah, ben, t'as eu le temps. J'avais 22 ans, j'étais revenu du régiment. T'as eu le temps de la connaître. Ah, oui, je suis allé au foire avec le maître. Comment tu l'appelais? Muitre Pierre. Ah. Pierre chez Pierre. Mais je crois que je l'ai connu, moi, ou tout au moins. Non, tu as connu l'Antoine. Antoine, c'est ça. L'Antoine, son neveu. Son neveu, mais à ce moment-là, la il était vieux garçon aussi. Ah, non, il était le père de l'évêque. Ah. Ah, pas vieux garçon, il avait 3 enfants. Lui était bien le maître. Oui. Quand il parlait, on l'écoutait, mais il était toujours d'avis. De la majorité, c'est le cas de dire, on se parlait entre nous, entre moi, j'étais gamin. Enfin, je n'ai jamais vu, moi, on était tranquille, on vivait bien. C'était comme chez nous, les ordres. Oui. Il y avait des ordres de donner, mais chacun savait. C'était pas une prescription. Mais non, chacun savait ce qu'il avait à faire. Oui. Et chez nous, écoute bien, un tel était bouvier. Ah, mais chez vous autres aussi. Ah oui, mon père était bouvier. Ah. Aucune vache ne se vendait, ça que mon père dit, c'est cette vache à faire partir. Ah oui, eh bien c'était... Ou tel autre, c'était lui qui jugeait. Alors par exemple, pour les sapins, c'était le maître Pierre qui allait dans les bois marquer les sapins et qui les vendait. Et lequel qui forgeait alors? Tu m'as dit qu'il y avait... Ah, mais Dieu, il ne forgeait pas les dimanches. Il forgeait quand il était libre. Alors. Il forgeait quand il avait le temps. Il forgeait des ciseaux. Des ciseaux, mais il a forgé des ciseaux que jusqu'à 50 ans après, il n'a plus eu de ciseaux à forger. Ah, c'était mécaniquement. Eh oui, il est venu la machine à découper, ça a été fini. Les femmes changeaient sans arrêt de travail. Et les travaux que le maître exigeait d'elles n'étaient pas si doux que cela. Ce n'étaient pas des occupations féminines du tout. Il y avait des travaux durs sur la quantité. Et cette vie des femmes était dure aussi du fait qu'elles n'élevaient pas leurs enfants. Et elles partaient au travail. Les repas eux-mêmes ne les rassemblaient pas. Les femmes mangeaient dans les grandes communautés sur une table à part, les hommes une autre. Ah, et s'il y avait une table d'enfants, elle était présidée par la maîtresse. Et les mères ne s'occupaient pas de leurs enfants pendant les repas. Ça, c'était dur, certainement. Jamais la maîtresse ne devait être la femme du maître, parce que ça risquait... Ça aurait été une dictature, quoi. Ça n'avait plus rien de républicain, pour le coup. Elle ne devait être ni sa femme, ce qui aurait été le plus grave de tout. Ni sa fille, ni sa mère, ni sa sœur. Il y avait 4 cas à éviter. Elle avait à peu près dans une communauté les fonctions de la reine des abeilles. Elle ne sortait pas. Tu ne savais pas ça, tu ne le savais pas. La maîtresse ne sortait pas. Elle avait les clés des greniers, des caves, seule, la seule femme ayant... Elle ne déléguait aucun pouvoir à d'autres femmes. Et elle changeait les femmes sans interruption de fonction. Il y avait un roulement perpétuel dans l'emploi des femmes, puisqu'il paraît que les femmes ne peuvent pas rester très, très longtemps avec les mêmes fonctions. Les femmes même changeaient de travail, disait-on à l'époque. Les femmes se commandaient entre elles. Et c'était ta mère qui était la maîtresse. C'était ma mère qui est restée la dernière maîtresse. Qui était l'aînée d'abord. Oui. C'est elle qui, naturellement, caillait le lait, faisait le beurre, le vendait. Faisait la cuisine avec les autres. C'était la maîtresse des maisons qui avait la queue de la poêle, si l'on peut dire. Oui. Il fallait bien que le travail soit donné à chacun. Oui. Telle fille ira au champ, telle fille ira lâcher les boutons, telle autre ira à tel endroit. Hein? Et puis, c'était réparti. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait un berger, des bergères. Ah, c'était des femmes, en principe. Ah, oui, mais écoute bien. Et il y en avait qui gardaient les moutons. Oui, et d'autres qui gardaient les vaches. Et d'autres qui gardaient les vaches. Et il y avait des chiens. Oula. Et des bons. Et des excellents chiens. Ce n'étaient pas les chiens d'aujourd'hui. Eh bien, voilà, nous sommes ce soir, et il fait très beau, heureusement, dans ce village des environs de Thiers. Et je pense que cette personne doit être très heureuse de se trouver ici aujourd'hui, parce qu'habituellement, elle est au musée de la ville de Thiers et son horizon est toujours identique. Et je pense que grâce à vous, mesdames, messieurs, de nombreuses personnes peuvent la regarder et l'admirer. Nous sommes aujourd'hui là pour parler de la question des communautés paysannes, communautés de famille, communautés rurales, comme on les appelait autrefois, qui étaient fort nombreuses dans notre région et encore beaucoup plus nombreuses dans la région de Thiers. Cette personne, c'est une mouistresse qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une maîtresse,
Elle a été peinte dans les environs de 1830 et elle porte la coiffe classique des femmes de Thiers de l'époque. Les coiffures différenciaient du reste suivant la région. Hein. Bon, elle différenciait à Valor, elle différenciait dans les environs de Thiers, elle différenciait à Escoutou, elle différenciait à Membrun. C'était jamais les mêmes. Si vous permettez, la pièce qui se trouve ici, ce sont des pièces qui sont toujours faites à la main, c'est une bavarette, hein, ça s'appelle une bavarette. Cette personne se trouve ici en costume d'été, parce qu'en hiver, bien sûr, il y avait des emmanchures. Et ce que notre ami porte à l'heure actuelle ici, bon, c'est une ceinture de maître de communauté, de la même façon qu'il est habillé ici, avec un tissu, je crois que c'est un tissu de laine. Hein. C'est un mélange de laine. Et de chanvre. Exactement. Alors, bien entendu, elles ont des coiffes. Alors, comme on parlait tout à l'heure, avec le maître, comme on parlait tout à l'heure, bon, elles ont les... Alors là... Je vais bien essayer en tant qu'homme de coiffer cette femme. Je ne voudrais pas avoir une mauvaise impression quand même vis-à-vis de vous. Bon, mais enfin, de toute façon, vous savez qu'on ne peut absolument pas bien toucher toutes ces choses parce qu'on ne peut pas leur faire avoir, on ne peut pas leur faire avoir leur coloris d'origine. Leur coloris d'origine. Il y a un problème ? Ah ! Voilà. Fais ce qu'on te dit, là. Les coloris d'origine. Et ces rubans, voilà. Elle les liait autour du cou, là. Elle se les liait autour du cou, autour c'est du sûr. Cou. Elle se les liait autour sous du cou, le menton. C'est sûr. Oui, et c'était quand même assez séant, c'était quand même assez agréable. Mais le moyen de fixation, ce sont les deux petits liens qui flottent au vent. Ce sont les deux petits liens qui flottent au vent, et c'est ça. Il y avait une recommandation que l'on trouve quelquefois par écrit, c'est que dans les communautés, les filles ne devaient pas porter de dentelle. Toutes ces filles, dans une communauté, portaient la même coiffe. Oui. Il n'y avait qu'un modèle. C'est ça. Et on arrivait à les reconnaître. Et on devait dire, je suppose, dans des assemblées un peu lointaines, voilà une fille de chez les Duneau. Voilà. Et on la reconnaissait exactement. À son bonnet. Exactement. Elle mettait quand même une certaine fierté à avoir des bonnets bien caractéristiques, car la coquetterie n'était pas tolérée dans les communautés. Les filles ne faisaient rien pour charmer les garçons de l'extérieur. Et pourtant, donc, il fallait bien qu'elles en trouvent des garçons. Ah oui, mais elles les trouvaient souvent à domicile, on peut dire, cela, puisque les différentes branches se mariaient entre elles. Et oui. Le costume également était uniforme. Et ça rappelle encore beaucoup les couvents, car les filles portaient le même costume que leurs sœurs, leurs cousines. Il y avait des teintes réservées aux jours de fête, évidemment. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que sur... toutes les lithographies que nous pouvons avoir sur la ville de Thiers, elles ont chacune leur charme différent, qu'elles soient de la région de Thiers, soit des Garniers, soit d'ailleurs, soit même de tous les villages avoisinants. Hein, et alors c'était les jours de marché, ce devait être une véritable féerie de couleurs. Elles tissaient la laine aussi, les femmes. Elles tissaient la laine, les Mais femmes. Comme par exemple pour cette veste-là, il fallait la tisser menue, la laine. Ah oui. Elles y arrivaient, oui, à la main. C'est fait au fuseau. Avec un mélange oui. d'une autre nature, parce que la laine, ça aurait été trop grossier, puis pour l'été, ça aurait été un peu chaud. Voilà. Mais le costume du maître, dont le tissu gratte un peu, oui. a deux composants, apparemment, laine et fil. Ils faisaient leur chapeau. Leurs vêtements, ils avaient tous une chènevière où ils cultivaient leur chanvre. Un homme était tisserand et tissait les vêtements avec leurs propres arbres. Ils avaient tous des forêts, puisqu'on les retrouve dans les partages. Il y avait un sabotier qui faisait les propres sabots de la communauté. Et tout ce travail-là s'opérait au veillé. Ce travail qui était en somme annexe, mais qui faisait faire beaucoup d'économies, était un travail de veillée. C'était considéré comme reposant. Alors, les veillées, c'est une des choses très intéressantes dans les communautés, car c'est le seul moment de la journée où les mères retrouvaient leurs enfants. Alors, elles devaient être tout de même très appréciées, mais les malheureuses travaillaient, elles ne pouvaient pas tellement s'en occuper. Mais là, ils échappaient à l'autorité de la maîtresse, et c'est la mère qui s'en occupait. Alors, les personnes âgées, aussi, il y avait un personnier sachant lire, et il y en a eu très tôt
car c'est un milieu où on a commencé de lire très tôt. Oui, d'où l'introduction de certaines idées qui n'ont pas facilité le maintien des communautés. Eh bien, dans les débuts, c'était des lectures pieuses. Et puis surtout, on parlait des membres de la communauté qui avaient eu des vies édifiantes. Mais seuls les aînés avaient la parole et pratiquement le maître, et pas tellement les autres. Alors, qui parlait? Et alors, les hommes faisaient des paniers, les enfants cassaient des noix pour faire l'huile de noix, les femmes tressaient la paille pour les chapeaux, le tisserand tissait, on avait une autre vie. C'était très bien organisé. Tu as une idée de ce que ça pouvait être, la vie quotidienne? Pas tellement. Le matin, tout le monde ne se levait pas à la même heure. Les femmes se levaient à 1h02 parce qu'on leur faisait moins de travail. On avait quand même des égards pour les femmes. Il faut d'ailleurs noter au passage que les femmes dans les communautés, par rapport aux autres paysans, occupaient, je dirais pas une place privilégiée, mais elles étaient tout de même mieux traitées que dans les autres milieux paysans. Et on avait plus de respect pour la femme. En tout cas, on les ménageait au départ et elles se levaient 1 heure plus tard que les hommes. Ensuite, la vie commençait, les hommes partaient au champ. Alors, il y avait un repas frugal, bien entendu, parce que ça, c'était pas un milieu où l'on faisait bonbons. On se réservait pour les grandes fêtes de famille, mais dans la vie quotidienne, c'était très simple. Très simple comme alimentation. Surtout, n'oublie pas qu'il n'y avait pas les pommes de terre à l'époque. Alors, ça simplifie beaucoup. On se rabattait sur les céréales. Alors, le matin, chacun faisait sa prière de son côté et on partait à son travail respectif. Ah oui, mais le soir, il y avait une prière collective, le soir, seulement le soir, et sous la direction du maître. Alors les repas de midi, ça commençait toujours par de la soupe avec un morceau de cochon dedans, etc. Et il y a des communautés, surtout en Auvergne, qui, par exemple, parlent beaucoup de poissons. Dans les petites communautés, ils mangeaient tous à la même table. On trouvait dans la montagne bourbonnaise des tables où les écuelles étaient creusées dans le plateau supérieur. Et tu en as bien entendu parler. C'est bon, j'ai vu. Tu en as vu? Ben moi, j'en ai jamais vu. Alors, tu es plus fort que moi. Oui. Et alors, la place du maître était marquée avec une petite feuille de chêne. On sonnait la cloche pour appeler tout le monde, pour que tout le monde se trouve ensemble à table. Il y avait une grande table, très grande, très longue. Et les domestiques étaient à la même table que les personniers, les membres de la communauté. Et tous les ans, les Dunaux tuaient une douzaine de cochons et plusieurs vaches, une pour les vendanges et une autre pour les châtaignes. Parce que figurez-vous que les châtaignes avaient une certaine importance ici, même beaucoup d'importance. Il y avait des châtaigniers un peu partout et même sous les châtaigniers, on cultivait du seigle. Comme on se trouvait sur les limites du forêt et de l'Auvergne, ils allaient tantôt acheter du sel dans le forêt, tantôt en Auvergne. Alors, mais l'Auvergne était un pays rédimé où le sel n'était pas trop cher. Alors ça, depuis longtemps, ça leur permettait d'avoir du sel à bon marché. Je suppose. Bon marché, plutôt moins à un prix normal, exempté de gabelle. Il y avait le maître forgeron, si l'on peut dire, celui qui était affecté à la forge, celui-là forgeait tous les outils dont la communauté avait besoin, haches, pioches, même certainement des fossiles, et les instruments pour charruer, agraire, comme ce qu'ils appelaient une raie. C'était le soc de la raie. Oui.
Et de plus, ils fabriquaient des roues entières en bois, cerclées de fer. Et avec le fer qu'ils achetaient, ils le faisaient eux-mêmes. On a encore une grosse pierre là-bas, avec un anneau au milieu, et on posait la roue sur cette boucle, et je l'ai vu faire. On faisait chauffer le cercle sur un feu de bois à côté, et quand le cercle était chaud, avec 4 ou 5 bonhommes, on transportait ça avec des grosses pinces sur la roue, et on cognait un grand coup de marteau pour l'enfoncer, pour cercler la roue. Je l'ai vu faire. Maintenant, ça n'existe plus pour la bonne raison qu'on ne fait même plus de roues en bois. Est-ce qu'ils fabriquaient leurs couteaux eux-mêmes dans cette région de côté de la Réunion? Non, dans la communauté, non. Je n'ai jamais entendu. D'autres communautés, les Chastel, par exemple, il y en avait qui restent de l'autre côté de la commune. Il y avait une branche qui fabriquait des couteaux. Et le bénéfice en revenait à la communauté. Oui, pas même pour eux. Je n'ai pas entendu dire, mais certes, il y a eu de petites histoires. Ils voulaient avoir une part supérieure aux autres, puisqu'ils fabriquaient. Quand il y avait, par exemple, des hommes qui travaillaient pour les coutelleries, comme dans cette région, oui, où ça se trouve dans les milieux communautaires, oui, eh bien, ceux qui travaillaient, ce n'était pas général. Ceux-là, donc, touchaient un petit peu d'argent, et ça créait des différences. Ça créait des histoires. Alors, dans les communautés, on n'aimait pas créer non, des différences. On n'aimait pas. On n'aimait pas. Et c'est une des causes de dissolution de certaines communautés. Oui, oui. Mais ici, où on était raisonnable, où on était resté très agricole, ça ne s'est pas produit. Et il a duré longtemps. Je vais vous signaler en passant que nous autres, les Duneaux, ils avaient 2 moulins. Oui. Pour moudre la farine. Pour leur propre usage. Dans une communauté comme la nôtre, les uns étaient forgerons, les autres étaient cultivateurs. Quand on allait, ils étaient tous cultivateurs. Ils étaient tous les foires. Voilà, voilà. Les moissons également. Voilà, voilà. Alors après, quand venait l'arrière-saison, les forgerons se remettaient à la forge. Quand il pleuvait. Et les autres reprenaient les labours. Et voilà. Et la République des fourmis, la République des abeilles n'a pas le contrat. Il n'a pas. Et ils vivent bien. Et voilà, là c'était la même chose. Les uns étaient nécessaires aux autres. On a beau dire, n'est-ce pas, un parterre à droite ou à gauche, ça ne se connaissait pas dans la maison. Les autres le remplaçaient, le travail se faisait. Si tu vis séparément, le travail tu le fais, il faut te battre pendant 2-3 jours, pendant l'absence de certains. Non, ça ne marquait pas. Puis comment dirais-je, tout était en commun. L'argent, moi chez nous tout était en commun, l'argent, le vin, la table. Puis s'il y avait des abus, ça pouvait arriver. Personne n'en tenait compte. On le faisait remarquer, puis c'était tout. Voilà, voilà. Comme par hasard, tous ces maîtres de maison n'étaient pas des idiots. Mais lui, il avait peut-être été élevé un peu pour être maître. Parce qu'avant qu'il se mette à forger, il avait travaillé 2 ans chez un notaire. Il savait travailler de la plume et il avait appris manuellement. Il avait appris un peu de droit. Lui, celui qui allait à la banque, celui qui allait au foire vendre les bêtes. Et puis l'argent s'en servait soit pour acheter du pour la maison d'abord. Soit pour habiller les gens, soit pour le mettre à la banque. Oh, ils en mettaient bien, oui. Mais oh, ils en mettaient bien. On en a mis en Russie pas mal, on en a mis en Autriche. J'en ai encore d'ailleurs au fond de mon coffre. Si tu veux, je t'en donnerai. Eh bien, ça sera tout le monde. Eh bien, quand Félix Faure est allé en Russie, la Russie c'était l'Eldorado, les banquiers ont fait placer beaucoup d'argent des Français en Russie. Avant la guerre de 14. Oui, et les Soviets n'ont jamais remplacé. Vous faites rire. C'est toute l'histoire de France, ça. Mais si l'argent des paysans ne s'était pas mangé comme ça, on ne saurait pas qu'en faire. À présent, on n'a pas besoin. Ils se mangent tout seuls. Quand une terre accordait, eh bien la première chose qu'on faisait, on la bouclait. Oui, si le prix accorde. Oh, mais lui, pour son corps de bien, écoute bien, quand la terre t'allait, tu étais bien obligé d'aller parce que d'autres l'auraient fait avec toi, avant toi. Mais beaucoup de communautés, j'ai dû t'en parler, beaucoup de communautés dans les débuts n'allaient voir ni notaire ni personne. Elles ne demandaient rien du tout à qui que ce soit. Et elles observaient toutes les mêmes règles sans en parler aux autres et assez curieusement,
Tout le monde pratiquait la même chose. Et on les a appelées, ces communautés-là, les premières, les communautés taisibles ou tacites. Et ce sont des communautés sans aucune convention notariale. Et le jour où on leur a imposé de passer un acte devant notaire si leur bien dépassait 100 livres, ben, ils ont trouvé ça très mauvais. Il y en a qui ont préféré se saborder plutôt que de passer devant le notaire. Des gens qui n'aimaient pas qu'on leur parle de déballer toutes leurs affaires et d'étaler surtout leurs biens, avec précision. Et ça va d'ailleurs amener la faillite, si on peut dire, en tout cas, la fin et la dissolution d'un grand nombre de communautés. Mais avant, ça pourrait quand même être dangereux parce que... Ça durait quand même depuis le 11e siècle, comme ça. S'il y a sans papier, sans rien, s'il y en avait un qui faisait beaucoup d'histoire. Eh bien oui, mais il ne faisait pas d'histoire. Ce qui est curieux, il y avait une discipline de fer à l'intérieur de ces sociétés rurales. Et ces associations-là, eh bien, personne ne bronchait dans les débuts. À la communauté des Duneaux, il y a bien eu des terres achetées pendant l'existence de l'association. Tout au long de la communauté, ils ont acheté. Tout au long, ils ont placé leur... Ils s'étaient d'ailleurs, si on peut dire, enrichis de cette façon. C'est ça. Parce que lorsqu'un membre de la communauté se mariait à l'extérieur, on lui donnait une somme d'argent, mais il n'avait pas droit à une parcelle de propriété. Et il n'emportait rien. Non, il n'emportait rien. Écoutez, donc, c'est assez marrant, n'est-ce pas? Vous aviez des cousinages un peu partout. Il y a toujours des gens, des marieurs. Eh, oh, il y a telle petite, là, elle ferait bien pour un tel. Bon, et on invitait un tel, on invitait la gamine, on invitait... bonjour, le mariage se faisait, puis c'était fait. Eh oui. C'était pas comme aujourd'hui, mais c'était la même chose. Et il n'y avait pas de dispute. Parfois. Seulement, comme très souvent, comme chez nous tout au moins, ils avaient toujours eu l'intelligence d'avoir des femmes qui étaient parentes. Ils n'avaient jamais de querelle. Oui, en principe. Puis, ils n'avaient jamais de querelle. Tu avais quelques pouvoirs. Mais ça n'est pas loin. Non, mais chez nous, tout était partagé. Oui. Depuis les calottes jusqu'au bon morceau. Depuis le bas âge, les enfants étaient éduqués pour économiser. S'ils allaient, par exemple, se promener sur un chemin, eh bien, ils ramassaient les pierres et ils bouchaient les trous. S'il y avait des trous, s'il n'y avait pas de trous, ils ramenaient les pierres plates à la maison pour mettre dans un endroit à combler. Oui. Et puis ensuite, le temps passait, et on leur apprenait des petits travaux. Les bergères ramenaient la laine que les moutons pouvaient laisser accrocher au buisson. Les bergères qui se faisaient du feu dans les champs ramenaient les cendres à la maison, parce que les cendres, c'est de la potasse, et la potasse, ça améliorait le potager. Oui. Et tout comme ça. Et voilà comment ils étaient amenés à l'âge adulte. Sans bien comprendre grand-chose, mais à la campagne, avec l'exemple des animaux, eh bien, quand même, les enfants avaient une notion de ce qui les attendait dans le mariage. Mais le maître arrangeait tout. C'est le maître qui faisait les mariages. Oui, complètement organisé par le maître. Entièrement organisé par le maître. Tout comme bien. Alors, l'idéal, c'était de pratiquer les mariages par échange. Alors, une communauté avait un garçon et une fille à marier, ça c'était l'idéal. Il fallait en trouver une autre qui est un garçon et une fille à marier, et on croisait les deux mariages, et personne ne déboursait. Vous ne demandez pas du tout la rébellion. Et alors, quand il y avait un cas de rébellion, ça arrivait jamais chez les filles, mais ça arrivait chez les garçons, mais ils étaient exclus. Étaient apanés, oui. On leur donnait la somme comme s'ils se mariaient au dehors, ils ne se mariaient donc pas puisqu'ils l'avaient refusé, et ils partaient. Oui. Ils partaient et ils ne revenaient jamais au pays. Et ils étaient ils étaient bannis, les gens du pays. Les gens du pays ne les aimaient pas. On disait, c'est une forte tête, c'est un rebelle, et les gens du pays ne les auraient pas reçus. Ils partaient, et ils partaient au loin, lorsque ce cas-là se produisait. Mais alors, le système ayant fait ses preuves, quand, après les mariages doubles, on a fait les mariages triples, et puis les mariages quadruples, et on est arrivé à cette monstruosité d'un mariage quintuple chez les Ferriers à Escoutou en 1855. Le même jour, il s'est marié 10 membres de la communauté, ils s'appelaient tous Ferrier, ils étaient tous parents plus ou moins éloignés, et le résultat, il y a eu un enfant, des 5 mariages, c'est tout. Et alors, les mariages, c'était sûrement la chose la plus insupportable dans les communautés, à cause de l'autorité du maître. C'était dur à supporter. Tout organisé par le maître. Alors moi je me disais, ils auraient tout de même pu marier ces deux-là, par exemple, vieux garçon et vieille fille, sur les 5 mariages. Ça serait mieux.
Ah oui, mais quand on le gardait de près, c'était cousin Germain. Ouais. Alors, c'est pour ça que le maître avait fait des combines pareilles. Et le maître donnait le... qu'organisait de... à la naissance. Le maître, il faisait ça dans l'intérêt de la communauté, il ne s'occupait pas d'autre chose. Et à la naissance, quoi, ça. Et c'est une des grandes causes qui ont amené les dissolutions, parce que ça, c'était insupportable d'être marié de force comme ça. Oui. Et ça a été une des grandes causes. Oui. Il n'y a pas que celle-là, il y a les idées individualistes du 18e, il y a eu d'autres raisons, et puis surtout le code civil. Quand le code civil a dit « Nul n'est tenu, et l'a prouvé, nul n'est tenu de rester dans la division », alors là, et ça, quand Napoléon. Même, et le code civil a fini la suite. Ah oui, ça a été le... Alors là, après Napoléon, il y a eu débandade. Le code civil a fini la suite. Ah exactement, c'était la débandade des communautés. Le jour du partage, eh bien, là, on retrouvait bien la famille complètement séparée. Elle seule avait des droits. Vous savez, c'est quelque chose de très, très simple. C'est plutôt sur le pourquoi ces communautés sont parties. Voyez-vous, il y a des réflexions qui peuvent être faites. Bon, vous avez d'abord la possibilité pour les membres d'épouser des femmes étrangères. La limitation des domaines, d'où une expansion difficile. Le sentiment religieux allant à l'encontre de la limitation volontaire des naissances. La domesticité, les domestiques étaient traités comme des membres de la famille. Voilà, l'abandon d'une antique façon d'être. Les droits donnés aux enfants punis depuis 89. L'étrain de l'administration républicaine qui était là. Mais d'ailleurs, la communauté, c'était une république. C'était une république. Une vraie. Une vraie. Il se portait surtout très bien sous la royauté. Oui. Sous la royauté. Alors, le départ, ensuite, du strict principe d'égalité, bien avant les événements de 1789 et l'esprit d'indépendance. Ce qui n'empêche pas que de nombreuses communautés ont perçu. On constate que c'est à partir de 1827, 1830, 1835 que ces communautés... disparaissent et font ce qu'on appelle des grands partages. Mais il y a des communautés, les dernières communautés sont très récentes, elles datent de 1932, elles datent de 1933. Voyez-vous, on dit ceci, on compte environ 50 communautés paysannes de la région de Thiers au début du 19e siècle. Dans les contrats de mariage de la fin du XVIIIe siècle, on constitue aux filles, outre des robes et du linge de corps, des draps, nappes, coffres, dont nous en possédons un coffre qui est véritablement magnifique. Moyennant cette constitution, les filles sont apanées et forcloses de toute succession, tant paternelle et maternelle que collatérale. C'est-à-dire, quand elles partaient, eh bien, c'était fini c'était pour fini. Elles. Ma communauté... En 1842, comprenait 40 membres. 40 membres, alors on arrivait à la limite pour vivre ensemble. Et d'un côté, ils s'entendaient toujours très bien, c'était pas, mais ils étaient venus trop nombreux. Alors ils se sont partagés en deux branches à cette époque-là. Et la maîtresse de maison, qui était à l'époque Geneviève Duneau, était demanderesse pour le partage, et puis les autres membres, qui étaient majeurs, et faisaient l'autre partie. Ils ont partagé les terres, oui. Le grand partage, c'est un gros livre, épais comme ça, qui a coûté à l'époque, mon père m'avait dit, 40 000 francs or. Mais comme ils étaient 40 à se partager... Je crois que c'est vous qui commencez. Ils ont des archives intéressantes à la communauté des Duneau. Par exemple, dans les registres paroissiaux, on trouve ce mariage qui a vu le transfert de la communauté. Et puis, c'est sans doute ce qui a inspiré un testament. Peu après le mariage, on trouve le testament de Claude Rossias Goutte. Vous qui avez des... L'habitude. Et les connaissances. Vous allez vous venez nous dire... voir ce que nous faisons. Oui. Et il va nous dire curieux, ce que contient ce testament. Je chausse mes lunettes. Ah, et vous allez déchiffrer le testament de Claude Rossias Goutte. Voilà. Du 13 août 1684. Eh bien, vous serez le plus fort ou la plus forte des forts. Ah, pourtant, c'est à vrai dire... Personne n'a pu déchiffrer deux mots de suite.
Si, voyez, ça c'est si, assez... Par devant, là vous pouvez bien lire, hein. Par devant, le notaire. On comprend que ça veut dire notaire. Royal, sous-signé. Et les témoins, sous-nommés, parce qu'il y a des témoins de l'acte. On fait toujours un testament devant des témoins. Oui, c'était même, même à cette époque, alors. Oui, 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 on avait gardé l'habitude. Il y avait 400 ans qu'on faisait comme ça. Ah. On avait gardé l'habitude. C'est bien d'écrire, mais il vaut encore mieux que les hommes entendent. Oui, les hommes sont témoins et ils gardent le vrai droit de la communauté, en particulier. Alors, il y a donc toujours des témoins, a comparu en personne, Claude Rossias Goutte. Et en général, il y a deux noms, Rossias, qui est vraiment le nom de famille, et Goutte, qui très souvent indique soit l'alliance, soit l'endroit où on habite. Ah, lorsqu'il s'agit d'une communauté marchand. Marchand, en quoi? Au village, ah, pas spécifié, marchand. Pas Vous savez qu'à cette époque-là, quand on est marchand de tout. On vend aussi bien des clous qu'on vend de la toile, surtout quand il s'agit des Auvergnats. Oui, mais ils vendent de tout. Je crois que ça devait être plutôt des bêtes, là. Ou des bêtes. Des bêtes à cornes. Alors, au village de la Goutte, notez qu'il y a écrit la Loutte, mais il faut comprendre la Goutte, ordonne ses dernières volontés dans la forme et manière que s'ensuit. Ça, c'est le notaire qui parle, un langage de notaire. Alors, il demande que soit dite sa messe d'enterrement dans l'église de Volors, à la discrétion, c'est-à-dire comme voudra sa femme qui est née Françoise Doufreux. Ah. Je pense que ça doit être Doucreux, Ducreux. Mais le notaire a transcrit Doufreux. Alors, il reconnaît à Jeanne et à Antoinette Rossias, ses filles, à chacune 800 livres. Chez les Duneau, les premières pièces d'archives, car c'est la seule chose sérieuse, eh bien, les premières pièces d'archives qui apparaissent, ce sont les registres paroissiaux, où la famille Duneau apparaît en bonne place, avec les inhumations qui sont assez remarquables, puisque les maîtres avaient droit à des honneurs qui attirent l'attention sur eux. Mais ensuite, en papier de famille, eh bien, il faut atteindre cet acte, qui est un contrat d'abord, et puis ensuite le testament. Le testament. Alors, il y a le contrat de mariage, et c'est tout la même année. On voit que c'était une année très décisive dans la vie de la communauté, puisqu'en 1684, on trouve à la fois le mariage qui voit le transport de la communauté et ce testament immédiatement après. Vous n'avez pas un crayon pour nous donner des détails, là, pour nous expliquer? Je vais d'abord vous donner les détails comme ça, on les copiera tout à l'heure. Ah, bien. Alors, la livre, c'était une très très vieille monnaie qu'on employait depuis 700 ans. Comment l'écrivait-on L-I-V-R-E. Mais sur les papiers, là, faites-moi. Livre, attendez, faut que je retrouve l'endroit. Alors, la livre, ça vaut 20 sols, 20 sous. Et on dit 20 sols. Et c'était le correspondant des sous là, qu'on avait avant la guerre? Naturellement, la monnaie avait baissé. Hein, ça. Là aussi, il y avait eu d'une part de l'inflation, d'autre part des dévaluations. Surtout à partir de la Révolution française. Alors, à cette époque-là... Pardon, les sous en bronze qu'on avait avant... Ça reproduisait les sous en bronze qu'on avait à cette époque-là. Et qui s'appelait sol, alors? Qui s'appelait sol. Sol ou sous, c'est la même chose. Et chaque sol valait 12 deniers. Chaque denier valait 2 oboles. Et chaque obole valait 2 pictes. La picte, c'est ce qui correspond au liard. Vous aviez une vache avec 10 livres. C'est-à-dire qu'au départ, il avait donné une dot qui correspondait à 70 vaches à ses filles, à chacune de ses filles. C'était donc quelqu'un qui était riche. Mais j'ai entendu dire, moi, avant la guerre de 14, là, on vendait une vache 100 écus. Oui, c'est-à-dire 300 francs ou 300 livres. C'était 300 livres. 300 livres. Une livre, c'était le tiers d'un écu. D'une communauté certainement très, très riche. Très riche. Très riche. Puisque en 1684, donner à sa fille, à chacune de ses deux filles, 800 livres, c'est-à-dire 80 vaches. 80 vaches chacune. Chacune, c'est pas une petite affaire. Ça représente, bien entendu, un très gros pouvoir. Le maître, qui est le chef de la communauté, c'est lui qui décide pour tout le monde.
Nous avons, nous, des actes de formation de communauté, des environs de 1350, où il est dit que chacun des membres de la communauté obéira au maître et ne pourra pas, pour sa part personnelle, engager d'action au-delà de 40 sous, c'est-à-dire de 2 livres. Dès que ça dépasse 2 livres, c'est le maître qui intervient. Les gens qui sont dans la communauté doivent en référer au maître. Et le maître est libre, lui, de disposer des biens jusqu'à 100 livres. C'est ça. Voilà la grosse différence entre le maître et puis les gens qui sont dans la communauté. Et ces livres-là, ils les gardaient chez eux, alors c'est... Il n'y avait pas. Ils investissaient presque tout de suite, vous savez, en achetant de la terre, en achetant des choses. Il n'y avait pas de banque à l'époque. Oui, oui. Et ça posait par conséquent beaucoup de questions. C'était difficile de placer son argent. Alors on place son argent en achetant de la terre, en achetant des domaines. C'est pour ça que vous les voyez sans arrêt acheter quelque chose. Ou bien on investit son argent en se faisant marchand. On va acheter de la marchandise, des couteaux ou de la toile ou tout ce que vous voudrez, les chaudrons. On va les vendre. Ça va d'ailleurs occuper 1, 2, 3 membres de la communauté. Et on va encore faire des bénéfices. Et à nouveau, on réinvestira, soit en achetant des terres, soit en commerçant. J'ai vu dans le grand partage aux coupes, il y avait beaucoup de gens qui venaient emprunter. Oui, on prêtait la petite semaine. Oui. Et il est porté sur le grand partage. Il y en avait à peu près la moitié des sommes qu'ils avaient prêtées qui étaient perdues. C'est ce qu'on dit toujours dans les grands partages. Il ne faut pas trop s'en faire pour les grands-pères qui prêtaient. Spécialement les Auvergnats. Je ne vous le dirai pas à tout le monde. Hein. Mais chez nous, en forêt, nous n'avons jamais eu de gens faisant le commerce de l'argent qui étaient des Juifs. Alors qu'à Lyon, par exemple, il n'y a que des Juifs qui font le commerce de l'argent parce que chez nous, c'était vous, les Auvergnats, qui veniez faire le commerce de l'argent chez nous. Et on préférait de beaucoup les Auvergnats parce qu'ils étaient plus honnêtes que les Juifs. Ils étaient plus honnêtes, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaitement honnêtes. Ils avaient très bien trouvé le truc. Lorsqu'on empruntait à un Auvergnat, on empruntait 4 livres, par exemple, eh bien, on marquait qu'on avait emprunté 6 livres. On en avait emprunté seulement 4. Mais quand il s'agissait de rendre, on rendait 6 livres. Par conséquent, celui qui avait prêté, le créancier, gagnait 2 livres. Mais ça ne paraissait pas dans les textes. Ça avait un air plus normal que les contrats qui étaient passés avec des Juifs. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir tout ce qu'il y avait en communauté et de voir quel était le sort des uns et des autres. On pouvait également constater qu'une communauté, quand le cas se retrouve ailleurs, pouvait difficilement se dissoudre en une seule fois. Il y a le grand partage, et à la communauté des Luneaux, on emploie toujours cette formule, oui. Le premier grand partage qui a eu lieu en 1842. Voilà. Et ensuite, des branches ayant une forte part se sont presque refortifiées, ont continué la communauté, et il y a eu des partages consécutifs, mais après quelques années de vie. Et vous avez sous les yeux, par exemple, un partage de 1868 et un autre en 1880. Et alors là, c'est vraiment la fin de la communauté. Ben écoutez, nous sommes restés avoisinés, tout était partagé, on a levé nos récoltes en commun, on a partagé le grain, on a partagé la paille, on a partagé les têtes. Et puis après, chacun travaille à son compte, quoi. Oui, à son compte, à sa manière. Oui. Ce qui n'empêchait pas quand l'un avait besoin de l'autre, l'autre était là. Oui, se donnait la main. Oui, ce qui est Texas aujourd'hui, mon petit-fils, Elvis Bina Santacel, en train de faucher une prairie de l'école pour la kermesse dimanche prochain, je crois. Ah oui? Ah, mais je l'ai dit. Veille, 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 mon rayado, veille, 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 te la veille, tous ensemble maintenant. Veille, 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 mon rayado, veille, 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 te la veille, quand on la reine, mon rayado, quand on la reine, mon rayado, quand on la reine dans sa mère.
Veille, 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 mon rayado. Veille, 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 ve